championnat d'Angleterre là, c'est une attaque pour équipe Leicester City qui repoussé par la défense de Leicester. Ballon avec Manchester City sous nos mi-temps terrain avec Kyle Walker qui jouait John Stones. Alors c'était Emric Laporte, qui jouait et joueur équipe Manchester City, Jensenko qui toujours le ballon, qui jouait en retrait sur Laporte. Nicolas Otamendi, Kyle Walker, qui monte le ballon au pied pour l'équipe de Manchester City avec son numéro 2 en retrait encore une fois pour Otamendi, Jensenko qui fait une belle passe en avant, mais bien intervention avec défense équipe Leicester City, je dis, qui a évolué avec une défense à 3, qui gagne Foch, Maguire, Dragovic pour l'équipe Leicester City. Et puis Manchester City lui-même a évolué avec Laporte, Otamendi, et dans la défense centrale, Kyle Walker, Zinchenko. C'est monsieur Sao qui est sous-côté pour l'équipe Manchester City. Il y a un ballon toujours avec l'équipe Manchester City. Possibilité avec Fernandinho qui joue en retrait net pour Nicolas Otamendi. Otamendi pour Kyle Walker sous côté gauche équipe Manchester City. Kyle Walker qui passe dans le mi-temps deux joueurs, ballon perdu, c'est équipe Manchester City qui récupère, récupération encore avec Manchester City. Là c'est Bernardo Silva qui gagne ballon pour équipe Manchester City. Ils font centre mais la tête défensive du côté de Leicester, ballon pour Leicester perdu, par, alors récupéré par Kevin De Bruyne que nous t'ai annoncé au repos mais qui est aligné pour équipe Manchester City. Là c'est Bernardo Silva qui a évolué avec 230 lits pour l'équipe Manchester City. 220, merci Richard, pour l'équipe Manchester City. Possibilité de... Alors justement, on a parlé de possibilité de premier goal match là. Raheem Sterling qui ouvre score là pour l'équipe Manchester City. Et goal! Raheem Sterling, anglais, alors nous tapons dit tout. C'est deux Anglais seulement qui a aligné aujourd'hui pour l'équipe Manchester City. C'est Kyle Walker avec Raheem Sterling qui saute ouvrir score pour l'équipe Manchester City. On a pour regarder action goal là. Il y a un centre de Kevin De Bruyne, Sergio Konagé ont été fourré pied, il n'est pas arrivé, mais c'est Raheem Sterling qui a bon portant ouvrir score pour l'équipe Manchester City. C'est déjà un goal à 0 pour Manchester City. Et 0 pour l'équipe Leicester City qui a évolué à l'extérieur. On a regardé l'action là. À bon portant vraiment. Et Raheem Sterling ouvre le score. Et depuis lors, c'est vraiment Pep Guardiola qui en lien après ce ça. Il y a un ballon, possibilité de Bernardo Silva sur Atun. On a regardé Raheem Sterling qui saute ouvre le score pour l'équipe Manchester City qui a évolué aujourd'hui à domicile dans l'Etihad Stadium. Il y a un ballon dans le mi-temps terrain avec Sergio Kun Aguero qui était descendu net. Il a tenté de jouer Bernardo Silva, mais malheureusement, le ballon est sorti en touche. C'est pral yon entre touche. N'ap gade coach équipe Leicester City qui déjà mené à l'extérieur. C'est pral yon entre de touche pour équipe Leicester City. Il a fait sous côté ça avec Diabaté, ballon en avant, possibilité d'attaque pour Foxio. Ballon qui est en sortie. N'ap gade Pep Guardiola qui c'est entraîneur équipe Manchester City. Toujours troisième minute, 1 pour Manchester City, 0 pour équipe Leicester. Ballon avec Emric Laporte, défenseur central équipe Manchester City. Il joue sous Nicolas Otamendi. Otamendi joue Kyle Walker. Kyle Walker qui monte le ballon au pied. Il rentre dans l'axe terrain. Il dribble. Il a passé sous 3 joueurs équipe Leicester City. Il a joué Gundogan, Raheem Sterling. Sterling qui rentre dans la boîte. Il a arrivé. Et alors, tu as un joueur, Leicester, qui a fait intervention sous lui. Il y a un ballon, c'est pas un coup franc pour l'équipe. Alors, Leicester City, justement, qui a quitté pour gardien Casper pour jouer ses actions. Qui t'a pral mené Gola, il jouait en retrait sous Kevin De Bruyne qui centrait à bon porte Raheem Sterling qui ouvre score pour l'équipe Manchester City. Bernardo Silva sous côté ça et en possibilité d'attaque pour l'équipe Manchester City. Bonne intervention avec le dossier 3 de la formation
Leicester City ballon toujours équipe Manchester City. C'était Nicolas Otamendi ballon en retrait net avec Aymeric Laporte qui jouait Zinchenko pour équipe Manchester City. Il jouait avec Raheem Sterling. Raheem qui était joué Gundogan possibilité mais la couverture du défenseur Leicester City. Il y a un ballon qui est dégagé par Kasper. C'est Citizen qui recevra le ballon. Raheem Sterling a tenté de passer. Il n'a pas passé un ballon avec Leicester dans le terrain avec Ndidi Wilfried. Wilfried qui fauché sous action. Là, c'était Albritton de 207 de la formation. Leicester City n'a pas regardé l'action avec Zinchenko. Il y a Gundogan sous action. Wilfried et Albritton qui étaient allés à terre sous. Et pour l'équipe Leicester City, la cinquième minute, toujours 1 pour Manchester City, 0 pour l'équipe Leicester City, ou sous radio, alors ou sous télévision Pacifique, chaîne 54, Jessica Jean, Richard Bellevue pour porter retransmission, ça pour dégagement de Kasper et Smashel pour l'équipe Leicester City, toujours avec Leicester City, ballon sous côté ça avec. Et Rolwell qui jouait pour l'équipe Leicester City, il a joué en retrait net pour Kasper Smashel. Smashel qui s'est gardé l'équipe Leicester City, il jouait avec Foch. Foch qui jouait en avant, mais ballon qui est en sortie en touche. On a gardé Foch qui s'est défenseur central, équipe Leicester City. Carl Walker pour et touche ça. Il jouait sous Bernardo Silva. C'était Sergio Kunagero qui était joué Silva. Silva Carl Walker encore avec Bernard. Et alors et Sergio Kunagero, Kevin De Bruyne. Là, c'est Gundogan qui pourra jouer Bernardo Silva. La couverture du défenseur Leicester. Ballon toujours avec Manchester City. Bernardo Silva pour Carl Walker. Le centre de Carl Walker. La tête qui part prendre de Sergio Kunagero. Ballon toujours avec Raheem Sterling sous côté ça. Il dribble. Est-ce que ballon a sorti? Il centre quand même. Mais arbitre dit ballon est sorti. C'est pral, yon 6m50, yon relance avec Kasper Smashel. N'a pas regardé action là, c'était Bernardo Silva qui joue en retrait pour Carl Walker qui centre, mais tête la patte prend pour équipe Manchester City en la tête de Sergio Kunagero qui pas vraiment prend et ballon ça pral sorti dans pied et on monde de Raheem Sterling. C'est pral yon relance avec Kasper pour équipe Leicester City. C'est équipe Citizen qui recevra ballon. Yon ballon avec Leicester repoussé par Fernandinho. La tête de Maguire pour équipe Leicester City. Une nouvelle tête avec Fernandinho. Ballon c'est pral pour équipe Leicester City. Sous côté ça avec Dragovic qui pral sorti. Ballon pral sorti en touche. Touche c'est pour équipe Leicester City. Il pral effectué avec Dragovic ou encore James et Mathieu pour équipe Leicester City. Touche rapidement pral effectué. Et sous côté ça, il a cherché un partenaire qui plus ou moins démarqué pour l'effectuer touche là. Effectué rapidement la tête de de Zinchenko pour équipe Manchester City. Ballon profitable avec équipe Leicester City qui tentait la jouer. Jamie Vardy, mais bonne couverture de Nicolas Otamendi pour équipe Manchester City. Richard, 9e minute dans le match là, 1 pour Manchester City, 0 pour équipe Leicester City. 1 pour la formation de Manchester City, 0 pour Leicester et qui est en déplacement dans Etihad Stadium pour jouer dans le cadre 27e journée championnat d'Angleterre de football communément appelé la Première Ligue anglaise. Il y a un championnat qui est dominé et par la formation dirigée et par Pep Guardiola, la formation de Manchester City. Ballon contrôlé par les Citizens, la déviation de la poitrine réalisée par Raheem Sterling qui joue de l'axe, la passe en profondeur vers le Belge. Nous voulons parler et bel et bien de Kevin De Bruyne, la passe en profondeur, mais bonne sortie réalisée par le portier international brésilien. N'a pas parlé de Ederson Moraes, monsieur qui à peine vini dans l'équipe. Ça ballon contrôlé par la formation Citizen. Yogen de l'axe du terrain, il prend du champ, possibilité de jouer sur la droite, effectivement, en direction de Bernardo Silva. Bernardo Silva qui est entré dans l'axe, dans la boîte là, mais il y a une récupération de la formation de Leicester City et avec Christian Foch, le joueur australien. Et monsieur qui est lui-même fauché
Au passage, on a regardé joueur équipe Manchester City, plus précisément le portier, et on a parlé de Ederson Moraes, le joueur brésilien, probablement qui est capable de faire voyage là en Russie l'été prochain avec la sélection Riverde, la sélection brésilienne de football, 5 fois champion déjà de la Coupe du Monde. C'est pour lui en relance qui va l'assurer par le portier danois Kasper Schmeichel, fils de Peter Schmeichel. Ballon contrôlé sur le flanc droit, le centre d'Angers, mais bonne prise de balle réalisée par le joueur brésilien Ludosa 31. Et n'a pas les de Ederson Moraes. Ballon contrôlé rapidement, la déviation de la tête, bonne anticipation de Raheem Sterling qui quitte pour Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, il part à l'offensive, possibilité pour le tas centré, centre à Ratsol, mais et ballon repoussé par la défense de Leicester, et ballon récupéré, et c'était Zinchenko, le joueur ukrainien très jeune, 21 ans seulement. Et monsieur qui a évolué sur le flanc gauche pour la formation de Manchester City. C'est vrai que Pep Guardiola a un pile absent, mais quand même, ouais, depuis quelques temps, il a aligné et jeune et défenseur latéral ça, pour l'équipe de Manchester City. Effectivement, Oleksandr Zinchenko, monsieur qui sont ukrainiens et qui est fait en 1996, c'est-à-dire en seulement 21 ans. Et ballon qui a joué, mais ballon sorti en touche, n'a pas gardé Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne n'a joué et déjà 12e minute dans le match à football. Kevin De Bruyne, le dossard 17, il est belge, monsieur, et qui a joué en équipe Manchester City. Ballon contrôlé dans la défense de Leicester qui en déplacement dans Etienne Stadium, dans la passe en profondeur, mais pour personne, sinon c'est pour le ballon qui pourra finir Kosli dans le bras. Et Ederson Moraes qui est joué rapidement vers Nicolas Otamendi, Kyle Walker, Nicolas Otamendi qui jouait sur Aymeric Laporte, le joueur français, ancien joueur de l'Athletic Bilbao en Espagne, monsieur qui a à peine venu dans l'équipe ça. Ballon avec Zinchenko Alexandre qui joue dans la défense en direction de Aymeric Laporte et qui joue sur la droite. Kyle Walker, la passe de Kyle Walker en direction de Kevin De Bruyne. De Bruyne, Kyle Walker, Kyle Walker qui joue dans la défense en direction de Nicolas Otamendi. La passe de Nicolas Otamendi sur Oleksandr Zinchenko. Zinchenko en possession de milieu de terrain. Les joueurs sur Raheem Sterling. Sterling toujours. La passe de Sterling en direction de Oleksandr Zinchenko. Transversal, mais mauvaise passe de ce dernier. Oleksandr Zinchenko qui fait une très mauvaise passe. N'a regardé Claude Puel, ancien joueur de l'AS Monaco. Monsieur qui âgé de 56 ans, qui lui-même a dirigé l'équipe ça. Monsieur qui a à peine pris l'équipe là. Et vraiment, ballon avec la formation. N'a regardé également et Riyad Mahrez, monsieur qui est de retour pour la formation de Leicester. Monsieur qui t'a vraiment fait un request et pour te demander pour te quitter l'équipe ça, mais par la suite qui t'a pas retourné avec toute souris. Lui-même tout qui était après le haut final, c'est l'équipe Manchester City. Il pas vraiment allé. Il n'y a pas vraiment tout et entraîné avec l'équipe Leicester City. Pourtant, ça était indisponible. Il fait payer une amende de 1 000 euros pour l'équipe Leicester City. Effectivement, et c'est quand même mérité, puisque au sous-contrat avec l'équipe, on n'a pas juste décidé ou pas venir entraîner. Et ballon avec formation Manchester City, la formation dirigée par Pep Guardiola, la passe en profondeur, mais et mauvaise passe, c'est un ballon qui est sorti. Et on a regardé Zinchenko qui a fait pas mal de mauvaises passes et dans le début match de football, là, déjà 15e minute de jeu. Et toujours 1-0 pour la formation de Manchester City. Et c'est pour un ballon qui pourra le dégager par Kasper Schmeichel, le dossard 1 de la formation de Leicester City. Et qui n'est pas joué dans King Power Stadium, non, mais qui est en déplacement dans Etihad Stadium non, en Angleterre pour disputer cette rencontre contre la formation de Manchester City. Leader d'ailleurs Manchester City qui lui-même et gagné 69 points alors que Leicester gagne seulement 34 points presque et bon c'est plus de c'est quand même plus que moitié hein. Et vraiment et ça qui et bon c'est quand même alors 34 points presque et moitié
dans ça que Leicester lui-même l'a totalisé pour saison jusqu'à présent. C'est vraiment une équipe à Manchester City qui a crasé le championnat ça. Et ballon avec la formation de Manchester City, Raheem Sterling qui joue dans l'axe, mais récupération de la formation dirigée par Claude Puel. La passe, la déviation très bien jouée avec Bernardo Silva. La passe de ce dernier, mais c'est pas de Bernardo, c'était plutôt le joueur argentin. Et Sergio Conaguero, monsieur qui était à faire numéro devant Boitlan, mais malheureusement qui était perdu ballon 1-0, n'a gardé de dos Kasper Schmeichel. Ballon dégagé, la déviation de la tête, mais c'est pour aller en récupération avec Nicolas Otamendi qui fait le long dégagement, récupération de l'équipe de Leicester. Et Mike Laporte pour la récupération qui joue sur la gauche en direction de Oleksandr Zinchenko. La passe sur Ilkay Gundogan, Nicolas Otamendi probablement qui pourra jouer sur Kyle Walker. Ou c'est ce qu'il fait rapidement, Kyle Walker, Nicolas Otamendi. Et ça se joue entre Kyle Walker et Nicolas Otamendi. À présent, c'est Zinchenko. Zinchenko qui gagne ballon, la passe en direction de Zinchenko à nouveau, qui pourra jouer sur un partenaire démarqué. La passe en retrait et vers ça, c'est bien Emric Laporte qui allait sous Kyle Walker. La passe de Kyle Walker en direction de Bernardo Silva, ancien monégasque, champion Ligue 1 avec la formation de AS Monaco saison dernière sur la formation parisienne de football. Mais Anessa Monaco qui vraiment pas briglé un dans le championnat. Et ballon avec formation Manchester City, la passe en profondeur. Est-ce que Raheem Sterling a qui arrivé? Oui, effectivement, qui arrivé la passe, mais ballon repoussé par Kasper Schmeichel. Récupération et ballon cap sorti très bien avec formation Leicester là, pas pour longtemps, puisque Manchester City déjà récupéré. C'est un ballon avec formation Manchester City, Zinchenko qui allait dans l'axe. Là, c'est Nicolas Otamendi qui est en position de milieu de terrain. Kyle Walker, Walker international anglais et qui jouait en direction de Argentin, Nicolas Otamendi, Oleksandr Zinchenko. Il a fait circuler le ballon là, passe à ras de sol, mais mauvaise passe. Là, nous avons Oleksandr Zinchenko qui a fait pas mal de mauvaises passes dans le match de football. Nous avons comptabilisé environ 3, non moins que 3 minutes. Et ballon avec formation Manchester City, c'est bien avec la formation de Leicester, Kasper Schmeichel, la passe de ce dernier. Est-ce que ballon a sorti, mais très bien joué en direction de James Matthew. La passe, mais ballon qui sorti. Effectivement, Dossard 22 ans, on a regardé également Dossard 16, formation et Manchester de la formation de Leicester, Alexander Dragovic. Monsieur, et qui c'est un Australien, ils sont deux et en défense en centrale pour Leicester. Deux Australiens, Christian Fuchs et Alexander Dragovic. Et ils sont accompagnés de Harry Maguire. Et ballon contrôlé par la formation de Manchester City, Bernardo Silva, qui contrôle avec son pied gauche, possibilité de jouer en retrait et vers Ilkay Gundogan. La passe de Ilkay Gundogan en direction de Nicolas Otamendi. Passe de manière latérale, bel amortissement. Et belle amortie de la poitrine réalisée par Oleksandr Zinchenko. Très bien joué. Le ballon qui est récupéré de la charnière centrale de l'équipe de Leicester. Là, on a joué 19e minute de jeu. Toujours 1-0 pour la formation de Manchester City. Là, il gagne avec Kyle Walker qui allait vers. Et c'est bien, triangulation parfaite réalisée par ses joueurs. La passe en direction de Bernardo Silva qui contrôlait avec pied gauche le centre. Mais et ballon qui contrait. Et monsieur, monsieur c'est, qui. Quoi, c'est le premier corner match là. Non, mais pas le corner. C'est ça qui fait les apps contestés. Et vraiment, nous sommes capables de garder ralenti pour nous voir si effectivement tu as un corner sous action. Il y a un ballon qui est dégagé par le portier international danois, Kasper Schmeichel. Monsieur qui est dégagé. On a regardé vraiment Claude Puel qui a parlé ensemble avec monsieur qui sous Bantouchio. Et ballon récupéré, la déviation de la tête bien jouée en direction de Fouchini et Diabaté et Franco-Malien. La passe, mais ballon qui sorti en touche. La touche est Citizen. Les balles quittent effectivement pas pour Kyle Walker, le dossard 2, monsieur qui a évolué comme étant arrière latéral droit.
pour la formation de Manchester City. 20e minute de jeu, toujours 1-0 pour la formation de Manchester City. Yon ballon qui pral balancé, la passe, yon rentrée de touche qui fait rapidement la déviation, mais yon récupération au milieu du terrain pour la formation visiteuse. Est-ce que la perte du ballon, yon passe, yon ballon qui pral jouer avec Kasper Schmeichel, le long dégagement de Kasper Schmeichel, la déviation de la tête, très bien joué, ça se joue dans l'axe en direction de la formation locale, la formation de Manchester City, Fernandinho, la passe de ce dernier est très bien joué et danger pour la formation de Leicester, fait centre l'y contrôler, mais monsieur vraiment mal disputé ballon, c'est un ballon qui sortit en touche, la touche est en faveur de la formation de Manchester City. Et vraiment, sous l'autre terrain, PSG, le Paris Saint-Germain déjà mené et un goal à zéro. C'est un fin match de football en 90e minute de jeu. C'est Neymar qui a inscrit goal à la 68e minute de jeu. Donc, Paris Saint-Germain, il est en pole position là pour le faire victoire là. Ça qui a quand même fait qu'il y a place les solides leaders. Et en France, il a acheminé vraiment vers un sacre en France. Ballon équipe à jouer, il a gagné 65 points. Effectivement, très bien, Jessica. Et vraiment, qui a fait un très bon travail. On a regardé également le joueur international argentin et Sergio Kun Agüero. On a regardé toute bande touche et équipe Manchester City. Hein. Et on a regardé Etihad Stadium non, qui est vraiment rempli avec Rudiger. Vincent Kompany qui est capitaine équipe Manchester City qui n'est pas aligné aujourd'hui. Ça que été annoncé. Il n'est pas aligné, mais aujourd'hui, malheureusement, pas aligné. C'est Laporte avec Otamendi qui jouait en défense centrale pour l'équipe Citizen. C'est grand début et Emric Laporte. Donc on est quitté et quitté. Alors, grand début dans la Premier League, la Ligue jouée dans la Ligue pour l'équipe Manchester City. Manchester City qui donc se baptême de feu dans la Premier Ligue anglaise là, et qui quitte la Ligue espagnole là, attaque pour la formation de Leicester. Le centre, mais il y a un ballon et avec un deuxième centre, mais il y a un dégagement. À nouveau, et pour mettre le ballon en corner, c'était une tête défensive du joueur international brésilien. On a parlé de Fernandinho, monsieur qui a joué une très bonne saison avec l'équipe de Manchester City. Et vraiment, et c'est pour un corner qui pourrait le balancer de la gauche vers la droite pour la formation de Manchester City, de Leicester City. Et deux équipes qui gagnent City dans Noyo. Et déjà, 23e minute de jeu, 1-0. Il y a une autre dans la ville Manchester, une autre dans la ville Leicester. Effectivement. Et ballon et cap joué avec formation Manchester City. On attaque très rapidement. La passe vers Raheem Sterling. Et 4-3. Et pour la formation de Manchester City, fait passe là. Oui, effectivement, il fait le lando. Danger, mais c'est vraiment très mal disputé. Action Sergio Kun Agüero. Même pensé, passe là, t'es supposé venir beaucoup plus rapide. Et ballon avec formation Manchester. Et c'est bien Leicester. La passe dans l'axe, mais mauvaise passe. Qu'est-ce qu'il fait ce dernier? La passe, mais yon attaque avec Jamie Vardy, la frappe et goal. Et goal! Goal. Égalisation pour la formation de Leicester City par le biais de et international anglais, Jamie Vardy. Voilà, monsieur, vraiment. Voilà, mauvaise passe. Une discipline défense, oui. Équipe Manchester City qui rivait faire goal ça, Jamie Vardy vraiment. Il méritait faire goal là. Très opportuniste. Justement. Et voilà, et Gundogan pas de guet arrivé et Emric Laporte non plus. Ils ont très bon tir. Je tape dit à baptême de feu pour Laporte. Oui. Mais c'est quand même. En tout cas, Fandaoui qui est super mauvaise passe, c'est vraiment absurde. Là, comment c'est de Fernandinho, Gundogan et puis Nicolas Otamendi, Laporte qui est le dernier défenseur. Non, mais qui... monsieur, ça n'a pas vraiment et trop et péché. C'est Moun qui fait mauvaise passe là, dans le mi-temps terrain. Gundogan. Qui vraiment, et absurde.
et vraiment égalisation pour la formation de Leicester City désormais un but partout. D'ailleurs, dernier match de l'équipe Sao, c'était un goal partout et c'était dans FA Cup et 19 décembre 2017 et de l'année dernière. Effectivement, et ballon avec formation Manchester City, la passe, le centre, la tête défensive et ballon, yon deuxième tête de manière défensive, la passe en direction et de yon partenaire démarqué, le tir, mais bonne prise de balle. C'était Gundogan, le plus souvent formule et dans rencontre et football ou raté ou apprend. La équipe Manchester City sont raté yon action en or. Et, mais yon vraiment encaissé et sous et attaque et immédiat. Yon passe, yon ballon qui récupéré de l'axe du terrain et par la formation de Manchester City. Yon gen avec Zinchenko qui joue en direction de Fernandinho. La passe de Fernandinho. Et là, yon gen avec international portugais Bernardo Silva. La passe de Bernardo Silva dans l'axe en direction de Zinchenko qui vraiment quitté l'aile qui entraîne dans l'axe terrain le plus souvent. Puisque nous connaissons, monsieur, c'est vraiment yon milieu terrain également. Il fait le jouer comme étant arrière latéral, monsieur très jeune, lycée ukrainien, la passe, ballon contrôlé et par la formation de Leicester, là il y a la passe, n'a pas gardé appel de balle réalisé par Jamie Vardy, mais il y a un ballon qui repoussé et par gardien et brésilien Ederson Moraes et ballon avec Bernardo Silva qui porte le dossard 20 et possibilité de jouer dans l'axe. Oui, effectivement, c'est ce qu'il fait. Gundogan à l'attaque. Est-ce que Ligue frappe la passe en direction, il contrôle toujours, possibilité de jouer sur Raheem Sterling. Raheem Sterling toujours, la passe de Raheem Sterling, mais mauvaise passe de c'est plutôt une mauvaise réception de balle. Il y a gain avec Fousseni Diabaté, le franco-malien et la passe en retrait en direction de Alexander Dragovic, le joueur australien, possibilité de jouer dans l'axe, la passe dans l'axe sur Wilfried Ndidi, la passe de Wilfried Ndidi, la passe en profondeur, mais yon ballon qui peut le récupérer par Bernardo Silva, la déviation Kyle Walker, la récupérer ballon en sous, menace yon Montaku Jamie Vardy, le dossard 9, monsieur qui t'a fait une très bonne saison et lorsque c'était en 2016 lorsque équipe Leicester là lui-même l'étape champion, c'était quand même Jamie Vardy et Riyad Mahrez vraiment qui était et vraiment Riyad Mahrez qui était même élu meilleur joueur en année ça. Effectivement, Jamie Vardy tout qui était sous ligne et statistiques il était marqué en pile goal et ballon avec formation et Manchester City la passe en direction de Belgian, n'a parlé de Kevin De Bruyne mais récupération là yon attaque et ballon contrôlé par la formation de Leicester, la passe en direction de Marc Abrilton, la passe très bien jouée, Yogen avec Diabaté, la passe de Diabaté, et là c'était plutôt Yomontankou, Wilfried Ndidi, le Nigérian. Et monsieur qui a disputé un très bon match jusqu'à présent dans le milieu de terrain pour la formation de Leicester, Bernardo Silva. Bernardo Silva qui est prêt à centrer, il fait passe lent mais très bien joué. Kasper Schmeichel qui est prêt à ce qu'il paraît dévié ballon. Et Bernardo Silva, voilà le ralenti. Monsieur très technique, monsieur très bon avec pied gauche. Et voilà, Kasper Schmeichel, depuis ça aurait été le deuxième but de la formation de Manchester City. Yon centre qui pourrait venir, lui contrôler toujours le centre. Yon ballon qui repoussé, la passe. Est-ce qu'on frappe? La frappe, mais balle captée facilement et par Kasper Schmeichel. Et Kasper Schmeichel qui est capté ballon hein, et facilement. Et il y a même qui est prêt à jouer avec formation et Leicester City. Il y a un ballon qui est prêt à jouer et par l'équipe de Leicester. Il y a un passe, mais très bien joué. Il y a un avec un partenaire démarqué. Il y a une mauvaise passe. Ballon avec la formation de Manchester City. Mais il y a un centre qui contre. C'est prêt à un corner. Corner en faveur de l'équipe locale. L'équipe de Manchester City et qui prend la fait corner par le biais de et Kevin De Bruyne qui fait à la remoise, la passe en retrait,
là il prend la foule dans le parquet, la passe à 30e minute de jeu, 1 à 1, le centre mais balle captée facilement par Casper Smatchel. Désormais nous sommes 3 au studio puisque nous gagnons et quand même Rochnel Basile qui rejoint nous. Bonsoir Rochnel. Bonsoir Richard, bonsoir Jessica Jean, son plaisir à vous dire pour une beauté belle rencontre football Sabo entre Manchester City et la formation Leicester. Effectivement, et on rencontre football qui est toujours un but partout. Bernardo Silva, la passe de Bernardo en direction de et un partenaire démarqué, c'était Kyle Walker. Kyle Walker qui était joué sous et Fernandinho. Kyle Walker à nouveau, la passe de Kyle Walker en direction de Nicolas Otamendi qui allait sur. Et Emric Laporte, gain Oleksandr Zinchenko, mais le préféré jouer sur Raheem Sterling. C'est à présent Zinchenko gain ballon, la passe sur Emric Laporte qui allait sur son partenaire en défense. N'a pas de Nicolas Otamendi, Kyle Walker, la passe, la déviation de, et c'est à présent Bernardo Silva gain ballon, la passe, mais mauvaise passe de Bernardo Silva. Yon passe qui est pas bail rien et vraiment. Et pas de problème, et y a un ballon qui pourra le jouer rapidement. Et 30e, alors 31e minute de jeu, et toujours un but partout entre Manchester City et Leicester à l'Etihad Stadium. Dans fief équipe Manchester City, hein. Voilà. On va regarder l'action, c'est Gondo Gon. Et oui, effectivement. Non, mais et, moun, alors, t'es qu'un monde qui va passer là. Et sous Gundogan, mais Gundogan qui t'a fait mauvaise réception de ballon tout. Justement, il n'est pas trop recevoir. Effectivement, Jamie Vardy, unique buteur de l'équipe de Leicester. Et ballon avec Fernandinho qui jouait dans la défense centrale en direction de Emric Laporte qui allait sous international anglais Raheem Sterling. Sterling qui a fait une très bonne saison et puisque il a déjà marqué pas mal de buts dans le championnat ça aux côtés de Sergio Kunagüero et qui c'est lui-même deux meilleurs buteurs dans et pour équipe et Manchester City tandis que meilleur buteur championnat ça c'est Harry Kane. Monsieur qui est permet à l'équipe Tottenham de battre l'équipe Arsenal, un goal à zéro sur le strict minimum. Et c'est quand même suffisant tout, puisque c'est synonyme de 3 points. Et ballon avec formation et Manchester City en yon centre tir mais qui pas rien. Et ballon avec la formation de Manchester City. Là on avec Nicolas Otamendi, 33e minute de jeu. La passe sur yon partenaire démarqué. La déviation très bien jouée. Et possibilité de jouer sur le flanc gauche. Le centre qui va venir. Le tir, mais. Ballon repoussé, très bon tir de Kevin De Bruyne et qui était capable de mettre Casper Smichel chaud sur l'action. Voilà, qui repoussait le Casper, c'est vraiment un très bon portier. Monsieur fait pas mal d'actions et spectaculaires dans le match. Ça. Et un ballon qui est sorti en corner, nouveau corner, et cette fois-ci qui fait à la Remoise la passe, une récupération. Garde côté Jamie Vardy, lui-même, lui descend. Est-ce que c'était Jamie? La passe, la déviation très bien jouée. Il gagne avec Ndidi, la passe d'Ndidi, mais un ballon qui est vraiment. Et c'est une faute, estime l'arbitre central, M. Mike Jones. Et oui, effectivement. Et arbitre central, c'est bien Mike Jones, c'est lui-même qui a arbitré match football ça dans Etihad Stadium. Non, n'a regardé Ndidi, monsieur qui était estimé que le pas de faire faute sur Raheem Sterling dans boîte là. Et c'est arbitre central qui a sifflé cette penalty. Et pour la formation de Manchester City, n'a regardé et joueur Manchester là. On a parlé de Raheem Sterling et 33e minute de jeu, la passe aérienne et qui est-ce qui jouait la passe encore, une nouvelle passe qui jouait en retrait, une passe qui jouait et là en direction de Christian Fuchs et qui allait sous Casper Schmeichel, la passe de Casper, il a fait une longue passe là en profondeur mais mauvaise passe de ce dernier. C'est une balle qui sort en touche, ce sera une rentrée de touche pour la formation Citizen de football, 35e minute de jeu.
Et très bien joué, 68% contre 32% pour la formation de Manchester City. C'est pas étonnant, une formation dirigée par Pep Guardiola. Et à l'image du Barça, de la formation bavaroise également, nous et comment pourcentage en qu'on y est. Mais M. Padap qui est arrivé, il y a une récupération dans la charnière centrale Citizen. Nous avons regardé Jamie Vardy qui a félicité et pour l'Elio. Et, bah non, et alors, coéquipier, disons mieux, la passe en direction de Nicolas Otamendi. Il a fait le côté pour le jeune Raheem Sterling. Très bonne réception de balle de Raheem Sterling qui joue, mais il y a une mauvaise passe. Et c'est toujours un à un. Et Jessica, dans Etienne Stadium, où la formation de Manchester City reçoit son homologue de Leicester. Justement, et Richard Bellevue et Manchester City qui était sur un nul dans le championnat, ça déjà. Et dans la dernière journée, à côté de jouer avec Burnley, on a fait 1-1. Là, c'est un goal partout entre Manchester et Leicester. On a regardé l'action et Ndidi avec Raheem Sterling. Ndidi qui dit qu'il n'a pas fait faute sur Raheem Sterling. C'est pour aller un coup grand pour l'équipe Manchester City avec Kevin De Bruyne. Koufran pral botte rapidement. On a regardé Casper qui a placé, qui a pris position pour vraiment recevoir Koufran. Ça, Koufran botte par Kevin De Bruyne qui capte rapide, alors facilement par un monde de Casper qui fait une relance rapidement. On a regardé Koufran botte. Otamendi t'a tenté, ouais, s'il t'a fourré pied dans boule là, mais il pas carré. Gundogan gè ballon pour l'équipe Manchester City. Arbitre là jugé faute. Jugé qui faute, et pardon, sous action, hein, Gundogan qui a évolué avec numéro 8, lui jouait pour Emerick Laporte. Alors c'était Fernandinho. Là c'est Zinchenko qui gagne ballon hein, pour l'équipe. Et Manchester City qui a joué Kevin De Bruyne, Zinchenko à présent, les bras centrés, les dribblés, les jouets en retrait pour Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne qui jouait encore une fois sur Zinchenko. Zinchenko qui rentrait dans l'axe, les jeunes Fernandinho, le soulèvement de Fernandinho qui joue une tête défensive de l'équipe Manchester City. Ballon en retrait net avec Nicolas Otamendi. Otamendi qui prolonge ballon, les jeunes Bernardo Silva. Bernardo qui est deux joueurs équipe Manchester en face, les gens retrait pour Kyle Walker. Kyle Walker qui pourra le centrer, le soulèvement de Kyle Walker. Bon, malheureusement, Sterling est vraiment trop court. Il va pas recevoir ballon ça. C'est toujours 37e minute. Un pour Manchester City, un pour l'équipe Leicester City. Raheem Sterling a fait goal pour Manchester City depuis bonheur. Et puis, Jamie Vardy qui s'est buteur équipe Leicester City après jouer une égalisation. N'a pas gardé coach équipe Leicester City Claude qui a essayé communiquer avec avec staff technique là. Chiwal de 203 de la formation Leicester City qui a parlé pas à comprendre pour yo t'a supposé faire plus bagaille là qu'à Manchester City. Yon touche qui a effectué rapidement par Kyle Walker. Ballon tient dans mi-temps terrain avec Wilfried Ndidi. Yo joué en profondeur pour Jamie Vardy. Ballon récupéré avec Fernandinho pour équipe Manchester City. Alors bonne intervention avec Leicester City encore. Ça c'est Maguire qui gagne ballon là pour équipe Manchester. Alors Leicester City qui te joué Benjamin Chiwell, bonne récupération avec Bernardo Silva qui t'a tenté jouer Sergio Kunagero. La prise de balle avec Casper Smasher pour équipe Leicester City. Le 201, le portier de la formation de Leicester City qui a pris du temps pour le relancer pour équipe Leicester City. La relance de Casper pour qui c'est pour, peut-être pour Jamie Vardy. La récupère. Alors l'intervention de Laporte. Ndidi gen ballon là. Les a tenté passer. Jamie Vardy gen la saison. Alors c'est Kevin De Bruyne qui tente récupérer pour équipe Manchester City. Arbit la campé. Li bay faute pour l'équipe Manchester City. C'est pour la nap gade le 222. James Mathieu pour l'équipe Manchester. Alors Leicester City. James Mathieu qui a évolué devant. Yon mon Dragovic. N'a pas rappelé que
Équipe Leicester City aujourd'hui elle a évolué avec une défense à 3 qui gagne Maguire dans l'axe et puis Fox avec Dragovic qui sous côté défense. Là c'est Emery Laporte qui a évolué avec le 214 pour équipe Manchester City. Emery qui monte balle au pied qui tape tenter jeune Gundogan, bonne prise, alors bonne intervention avec Ndidi pour équipe Leicester City en profondeur avec Jamie Vardy qui jouait là pour Benjamin Chirol qui a monté. Alors, il est couvert par Carl Walker, ballon qui sortit. Il ne fait pas ça quand même, mais personne n'a pas recevoir passe là. C'est Pral, il relance avec Ederson Moraes, 39e minute. Un pour Manchester City, un pour équipe Leicester City, ou toujours sur Télévision Pacifique, chaîne 54. Il y a un ballon en défense avec Emery Laporte. Laporte joué avec Nicolas Otamendi. Otamendi qui joue en profondeur. Bonne interception avec joueur équipe Leicester City. C'était Adrien Silva, il jouait Chirol. Qui a entré dans l'axe du terrain, il jouait Jamie Vardy qui tape tenté son numéro, il n'est pas capable. Bonne récupération, Raheem Sterling, bonne intervention, ballon toujours profitable avec l'équipe Manchester City. Le centre tire, mais repoussé par la défense de Leicester City. Gundogan pour l'équipe Manchester City, il jouait sous côté ça avec Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne qui t'a fait passe là. Raheem Sterling, possibilité de avantage Silva. Alors c'était Raheem Sterling, mais malheureusement occasion la sortie de Kasper qui pas barré, il dribble Kasper quand même, mais malheureusement Raheem Sterling pas vraiment trop réaliste sur action ça. N'a pas regardé, tu as gagné le 216 sous lycée Dragovic qui était sous et ballon qui était repoussé dans corner. Corner qui était fait à la remoise. Là yo non, alors c'est avec yo monte coup Gundogan Ilkay qui soulevait la tête défensive du joueur de Leicester City. Ballon toujours avec équipe Leicester City, bonne interception. Alors intervention avec équipe Manchester City qui jouait en retrait sur Ederson Moraes. 41e minute, un pour Manchester City, un pour équipe Leicester City. Ballon avec Carl Walker pour Kounia, il jouait Emery Laporte, défenseur central équipe Manchester City, il jouait Zinchenko. Alors c'est Kevin De Bruyne qui sous côté ça. Kevin De Bruyne qui joue en retrait, Kounia pour Zinchenko qui joue et Fernandinho, il jouait encore avec Zinchenko. Kevin De Bruyne qui a rentré dans l'axe, il jouait pour Zinchenko sous côté ça. Zinchenko qui peut centrer pour qui, c'est pour une tête de Leicester City. Ballon Bernardo Silva qui toujours le ballon, qui a joué Carl Walker, il jouait Fernandinho qui rejoue sur Carl Walker. Bernardo Silva le 120 qui jouait Carl Walker qui jouait avec Ilkay Gundogan qui dribblait et met dans défensif équipe Leicester City. Et alors là c'est Sergio Kunagero qui jouait en retrait pour Carl Walker et qui jouait pour Bernardo Silva qui jouait avec Fernandinho. Équipe Manchester City qui a tenté par toute occasion, tout moyen là pour voir s'il t'a pris avantage score. Il a bataille avec Carl Walker, avec Ndidi qui a évolué avec le 125. C'est pral, un corner pour équipe et Manchester City qui pral effectué par un monde d'entre Kevin De Bruyne. Alors c'est un coup franc. Le coup franc que bail pour l'équipe Manchester City. Coup franc qui prend le botté par Kevin De Bruyne. Emery Laporte sous lui, Kevin De Bruyne, tous ces joueurs qui sous action corner ça. 43e minute, un pour Manchester City, un pour équipe Leicester City. Un coup franc botté la tête de joueurs de Leicester City. Ballon profitable à l'équipe Manchester City. C'est Citizen qui gagne pour qu'il y ait avec Bernardo Silva. Bernardo qui centré, mais c'est pour capitaine équipe Leicester City, Kasper Schmeichel, le 201 de la formation de Leicester City. Gagné un joueur équipe Leicester City qui était à terre, c'est probablement McGarrer. On a regardé l'action. Justement, c'est le 216, non, c'est Dragovic qui était à terre. Elle a été fauchée par Nicolas Otamendi qui a essayé de sauter. Pour le TKW, c'est un avantage score pour l'équipe Manchester City.
et de 216 de la formation de Leicester City qui campait pour continuer à jouer pour l'équipe main, alors Leicester City. Kasper Schmeichel pral fait une relance du pied droit pour l'équipe Leicester City. C'est Adrien Silva qui tape et c'est joué Benjamin Chirol. Mais c'est alors Nicolas Otamendi qui fait couverture. Emric Laporte, Zinchenko qui monte balle au pied pour l'équipe Manchester City. 44e minute, une minute seulement qui sépare nous de fin première mi-temps. Karl Walker qui gagne ballon pour Kounia. Karl Walker qui a passé jouer Bernardo Silva. Mais joueur équipe alors de ça, 3 Benjamin Chirol, tu mets tes ballons en touche. Kevin De Bruyne qui a effectué touche là rapidement pour Sergio Kunagero qui rejoue avec Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne qui peut jouer en retrait sur Karl Walker. Il joue en retrait net sur Emric Laporte. Emric Laporte qui peut jouer Zinchenko. Zinchenko qui peut jouer Fernandinho. C'est ce qu'il fait. Fernandinho joue sur la porte. La porte joue sur, maintenant sur Raheem Sterling qui driblait, mais le 222 de la formation n'a pas parlé de James Mathieu. Pat vraiment quitté au moins notre coup. Raheem Sterling passé sur action ça. 45 minutes ont écoulé. Il y a 1 minute seulement de temps additionnel. Il y a un tir de Gundogan qui pas vraiment inquiété au moins notre coup. Kasper Schmeichel. Et c'est prêt à lui relance avec probablement les dernières balles dans le match là. La relance du pied droit de Kasper. C'est pour qui? C'est pour la défense Citizen. La tête de Ndidi Wilfried. Là, c'est l'équipe, mais alors Leicester City qui a ballon, qui a joué. Ndidi Wilfried pour l'équipe Leicester City. La tente passe Zinchenko. Il n'y a pas de passé. Il a coupé le match là pour octroyer un coup franc. Pour l'équipe Manchester City, c'est Raheem Sterling, buteur. Et le match là, c'est la mi-temps. Un pour Manchester City, un pour l'équipe Leicester City. Jamie Vardy, c'est lui qui est marqué pour l'équipe Leicester City. Et puis Raheem Sterling qui est marqué bonheur pour l'équipe Manchester City. N'a propose là, n'a tourné tout de suite pour deuxième période. Si pour deuxième mi-temps match là, il y a ballon avec l'équipe Leicester City. Récupération avec Fernandinho qui joue en avant pour Sergio Kunagero. Ballon toujours Fernandinho qui joue dans l'axe de la défense avec Emric Laporte qui te joue Nicolas Otamendi. Otamendi qui joue Fernandinho. Fernandinho qui est prolongé là pour le moment de courir. Alors, Bernardo Silva, Bernardo Kevin De Bruyne qui est centré, mais c'est pour la défense de l'équipe de Leicester City. Ballon qui est finalement sorti en touche. Touche, c'est pral pour l'équipe Leicester City. Alors, Manchester City avec Zinchenko. Zinchenko qui a cherché un partenaire démarqué. Il jouait pour Ilkay Gundogan, la tête défensive du joueur de l'équipe de Leicester City. Ballon avec Citizensio, récupéré par Ndidi pour l'équipe Leicester City. Le prolongement via Jamie Vardy. La couverture de Emric Laporte. Ballon. Jamie Vardy qui était en position fautive. Exprime le juge de ligne. Là, on a regardé l'action avec la okay, c'est Ilkay Gundogan qui joue et Bernardo Silva. Là, ballon repoussé par la défense. Ballon Emric Laporte qui quitte le pour Zinchenko. Zinchenko, Raheem Sterling. Raheem Sterling, le 207, il a passé passer dans le mi-temps 3 défenseurs. Équipe Leicester City, ils ont joué là avec équipe Leicester City, mais récupération avec Manchester City. Là, c'est Zinchenko qui est entré dans l'axe pour équipe Manchester City. Il jouait Emric Laporte, Laporte de Fernandinho, Fernandinho qui est pour Nicolas Otamendi. Otamendi pour quitter pour un moment pour Karl Walker. Karl Walker retourne pour Nicolas Otamendi. Otamendi jouait dans l'axe du terrain avec Fernandinho qui était prolongé pour Kevin De Bruyne. Ballon perdu. C'est Ndidi qui gagne ballon pour l'équipe Leicester City. Ballon qui est avec Raheem Sterling qui joue en retrait sur la porte. La porte avec Fernandinho. Fernandinho en avant pour Ilkay Gundogan. Gundogan Fernandinho. Fernandinho qui a fait numéro 1 dans le terrain. Il joue Zinchenko. Zinchenko pour Ilkay Gundogan. Gundogan avec Kevin De Bruyne. Très pressuré par le 233 pour l'équipe Leicester City. N'a pas les bien sûr. Il y a un moment de temps
233, justement, là, c'est l'équipe Manchester City qui a le ballon avec Raheem Sterling qui a joué, Kevin De Bruyne qui a joué pour Sergio Kunagero. Sergio Kunagero qui met le ballon en goal pour l'équipe Manchester City. Et goal! Belle triangulaire de Kevin De Bruyne, Raheem Sterling et puis Sergio Kunagero. On a regardé l'action qui était depuis avec Raheem Sterling, Kevin De Bruyne et puis Sergio Kunagero qui met le ballon en goal pour l'équipe Manchester City. Dès lors, c'est 2 pour l'équipe Manchester City. Alors, 1 pour l'équipe Manchester City. On a regardé l'action au ralenti. C'est pas une relance, toujours action au ralenti. Ballon qui passe tout près, il y a Harry Maguire qui n'a pas fait rien pour sous Sergio Kunagero qui est un portant, opportuniste, mettez goal ça pour l'équipe Manchester City. 2 pour Citizens. 1 pour l'équipe Leicester City. C'est pral, yon relance avec l'équipe Leicester City. Yon joué sous côté ça avec Benjamin Chiwell. Chiwell qui te joué. Ndidi Wilfried, ballon en défense là. Avec Christian Forch, ballon perdu. C'est Kevin De Bruyne qui récupère pour Citizen. Il joue en retrait net pour Emric Laporte. Emric Laporte qui change de jouet là. Là, cherche Kyle Walker. Bonne couverture avec la défense de l'équipe. Et de Leicester City, Kasper Schmeichel, c'est capitaine et gardien, c'est l'équipe Leicester City, Claude Puel, qui c'est entraîneur équipe Leicester City, campé pour garder comment évolution, jouette la fête, ballon, tête de joueur de l'équipe Manchester City, nouvelle tête avec Nicolas Otamendi, ballon dégagé finalement par Fernandinho, ballon qui tient là, c'est Sergio Kunagero qui gagne ballon là. Arbitre qui campe match là, probablement c'est une faute sur Sergio Kunagero, argentin qui a évolué dans l'équipe Manchester City. D'ailleurs, il c'est meilleur buteur équipe ça avec 185 goals. Il a 184 goals ça que le fait à mettre là 185 goals, meilleur buteur équipe ça de tous les temps. C'est Pralio Koufran avec Nicolas, alors et Fernandinho qui t'a joué, Zinchenko qui retourne là avec Nicolas Otamendi qui descend net dans le milieu de terrain équipe Manchester City, ballon en retraite avec Ederson Moraes qui jouait sur Emric Laporte qui joue dans l'axe du terrain avec Fernandinho pour l'équipe Manchester City. Nicolas Otamendi descend net dans le milieu de terrain. Fernandinho à nouveau qui prend jouer. Zinchenko qui rentre dans l'axe net du terrain. Ilkay Gundogan qui joue. Kevin De Bruyne qui a fait numéro, qui a passé dribble le joueur Leicester City, qui a perdu le ballon. Là, c'est l'équipe Manchester City qui a le ballon à nouveau avec Raheem Sterling qui rentre vraiment rentre dans le champ. Et joueur, équipe Leicester City, il n'a pas de capacité. Récupération à nouveau. Manchester City qui décide de mettre pied sous le ballon. Là, c'est au ballon toujours avec Manchester City, avec Carl Walker. Walker qui tire pour Kevin De Bruyne. Là, c'est Ilkay Gundogan qui tire le ballon. Fernandinho joue avec Zinchenko qui retourne sur Fernandinho qui a prêté Fernandinho qui revient dans la boîte là qui tirait quand même, mais tire ça qui pas marché, tire qui pas porté fui. Raheem Sterling n'a pas gardé pour l'équipe Manchester City, c'est premier buteur match là. Raheem Sterling qui pas arrivé passer, Ndidi était sous lui encore une fois sous action. N'a pas regardé Raheem Sterling pour l'équipe Manchester City, 51e minute, 2 pour l'équipe Manchester City et Richard, 1 pour l'équipe Leicester City. 2 pour l'équipe Manchester City et 1 pour la formation de Leicester City au final. C'est ça Richard, bienvenue la belle Jessica Jean avec Vanon. Il joue rapidement avec l'équipe Leicester qui joue rapidement dans la défense avec Harry Maguire qui mettait en retrait sous Kasper Schmeichel qui mettait la mauvaise passe à de Kasper Schmeichel. Le ballon qui sort en touche, ou de la formation Citizen de football.
Il veut jouer rapidement avec Fernandinho. Fernandinho qui joue rapidement. Et sous De Bruyne, le Walker. Walker qui joue rapidement. Ce ballon qui m'a parlé de Gundogan. La passe de Gundogan. Est-ce qu'il va pouvoir jouer là? Mais bonne couverture assurée par le défenseur de la formation. La geste qui dégage là avec Kasper Schmeichel. Il gagne avec Fernandinho. Fernandinho qui vient avec Kevin De Bruyne. Danger. La frappe de Kunagero. Possible troisième goal. Goal, 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 goal. Et goal, 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 goal. Doublé personnel de Kunagero, Argentin qui marque un doublé et dans match football là, puisque c'est déjà 3 pour Manchester City et 1 pour équipe Leicester. N'a vrai suivre action. Kasper Schmeichel, mauvaise dégagement. Et puis ballon tal fini Gustin nan pied Fernandinho et puis la reçue action et puis Kunagero range ballon et puis il dit Kasper Schmeichel mais pour et puis dès lors c'est le troisième goal pour l'équipe Manchester City. Et Kasper laisse fermé en glande net mais petit l'angle petit tellement puissant. Et c'est ça, Jessica. Et puis, Kunagero qui a célébré le goal. Et là, c'est 3 pour Manchester City, 1 pour l'équipe Leicester. Kunagero, on a suivi sous le tir, mesdames et messieurs. Pablo sous chaîne 54, télévision Pacifique. Il a gagné rapidement avec l'équipe Leicester. On a fait défense avec Harry Maguire qui mettait le ballon nettement sur le côté gauche. Mais un ballon sorti en touche, touche pour la formation citizen. Kunagero, on a regardé de deux, mesdames et messieurs. C'est un très bon match de football jusqu'à présent. Qui a préparé pour rentrer dans le match pour l'équipe Leicester City. Et c'est ça, Jessica. Et voilà, jouer rapidement. Si tu n'es pas du tout pressé, puisque tu as mené 3 goals à 1. Il y a un très touche qui va l'exécuter rapidement par Walker. Walker qui joue rapidement. Est-ce que c'est bien? On m'a parlé de Emric Laporte qui jouait rapidement. Il y a une bande défense avec Nicolas Otamendi. Otamendi qui jouait rapidement sous Zinchenko qui gagne rapidement. Il jouait la Konya sous Walker. Walker qui mettait le ballon à droite à côté de la jeune de Gundogan. Gundogan mettait en retrait sous la porte. La porte qui mettait sous Fernandinho. Fernandinho mettait en retrait à nouveau sous la porte. Il gagne avec Walker. C'est bien Nicolas Otamendi qui mettait le ballon à gauche avec. Et c'est bien. Zetchenko qui mettait en profondeur côté d'Aljoué de Montaku, Bernardo Silva qui essaie de centrer, un coup de tête là qui fait un ballon qui joue rapidement avec l'équipe Leicester. Yogel toujours a baissé sorti, il a toujours perdu le ballon. Yogel avec Gundogan, Gundogan qui a baissé avancer, Gundogan qui a intégré sur face de l'évasion. Mais non, Gundogan, et Batimounio, ballon de sorti, on connaît pour la formation Manchester City de football. Et Dragovic qui a parlé en pile, dit Boula Pata joué dans Pierre Boula l'encore. J'avais dit Dragovic qui estime qu'il habite la part dans Zuel. Oui, ballon te prend en pied. Bernardo Silva vrai. Et qu'on est à nouveau pour Citizen yo. Yo la caillou, dans l'initiative des hommes non. Regardez qu'on a parlé de Kevin De Bruyne, il joue à la Rémoise, il joue avec Gundogan, la passe de Gundogan au niveau de Raheem Sterling. Tac, ballon sort sans touche. Touche pour la formation citizen de football. Il joue rapidement avec De Bruyne qui mettait en retrait côté la jeune partenaire de Maquet. Que rapidement, on va parler de Laporte Emric qui gagne là à nouveau. Ça la faveur, il mettait là sur le côté gauche avec Zinchenko qui joue rapidement sur Fernandinho. Fernandinho qui gagne toujours, il joue là en retrait. Nicolas Otamendi, il gagne rapidement avec De Bruyne. La passe à moment de De Bruyne sur le côté gauche, il gagne avec Ryan Sterling. Sterling qui est possible pour centrer, il centre le ballon contre de dos. Il a sorti avec l'équipe Leicester. Mais à Bissot, il a dit qu'il faut trois actions. C'est pour Lyon, relance pour la formation Leicester de football. Déjà, on a joué 56e minute dans le match de football. Là. Et toujours 3 pour l'équipe Manchester City. Guardiola et cap passe consigne avec Apollo Lyon. Et Guardiola et Talal va trop comprendre ce qui a passé là. Jamie Vardy et de dos. L'unique buteur pour l'équipe, Leicester, il joue là rapidement à gauche avec Ben Chilwell qui mettait en retrait sur Kasper Schmeichel. La passe de Kasper Schmeichel, chaque fois le fond relance, il n'y a pas jamais. Et Ryan Sterling qui est intéressé à ce passant, la passe possible de 4e goal, la frappe. Mais non, ballon qui contre. Gundogan qui t'essaie de tirer.
Et qu'on est pour la formation citoyenne de football, on a pu suivre chaque relance, Kasper Schmeichel fait, et ça va marcher. C'est ça qui te cause qu'on a été marqué, et troisième goal pour l'équipe Manchester City. C'est voilà, regarde ça qu'on est ça va le porter pour l'équipe Manchester City. Monsieur Guardiola, il va laisser mettre la 57e minute ou sur Télévision Pacifique avec Rochnel Basile, Dilou Chounalez, Jessica Jean, Richard Bellevue. Il va laisser balancer rapidement, il va balancer le coup de tête de Nicolas Otamendi. Et non, il y a un ballon qui passait à côté. Début de garder par Kasper Schmeichel. C'est pour aller au mise au 5m50. Il va jouer rapidement. Après suivre coup de tête, Nicolas Otamendi qui est passé à côté. Et le stade va le faire. Otamendi, Kasper Schmeichel qui met le ballon en avant. Et en touche, énième fois. Et chaque fois, monsieur, ça a dégagé le ballon. Et l'Elpa a sorti en touche. Là, joué dans l'adversaire. Il a joué rapidement avec l'équipe Manchester City avec Aguero. Aguero qui gagne là. Aguero qui a pas avancé. Aguero qui passe moun nan. Aguero qui gagne toujours. Il existe toujours. Mais le ballon perdu. Aguero qui a passé dans le temps de moun nan. Côté sa patte marché. Il a gagné avec Ndidi. Qui joue là en retrait avec Ben Chilwell. Il a gagné toujours avec l'équipe Leicester. Il a mis en retrait sur Kasper Schmeichel. Ça la favelle. Est-ce qu'il a mis la droite? Kasper qui a monté à ballon. Balle au pied. Kasper qui fait mettre le ballon nettement en avant. Pour qui est-ce? La tête de Nicolas Otamendi. Déviation de la tête là qui fait rapidement. Récupération. Invention. Leicester qui gagne rapidement avec Ndidi. Ndidi met le ballon à droite. Et sur et James, James qui perd du ballon, il gagne avec Fernandinho pour la formation 6 de football. Fernandinho qui a monté balle au pied. Fernandinho toujours, il joue sur Kevin De Bruyne. Bruyne qui mettait là. Ryan Sterling sur le côté gauche. Ryan Sterling, Sterling toujours. Sterling, le débuteur du jour pour la formation 6 de football. Kevin De Bruyne qui mettait sur Fernandinho. Fernandinho De Bruyne. De Bruyne, la passe de De Bruyne sur Sergio Kunagero. Kunagero De Bruyne, mais ça va marcher. Ballon perdu, il gagne avec Ndidi. La passe de Ndidi, Ndidi à nouveau qui gagne, il joue sur Vardy, Vardy, la passe de Vardy, bien joué Ariel qui mettait sur Nicolas Otamendi qui a fait cinéma, il a perdu ballon, là danger dans le Citizen, passe qui fait mais contre, il gagne toujours avec formation, Leicester, il gagne à droite. Je devais faire avec, c'est bien Chiwell qui était centré là, mais ballon contre sorti, on connaît pour la formation, Leicester, le football, qui 1, équipe Manchester City, qui 3, et déjà on a joué 65 minutes dans le match football, là, toujours 3 pour Manchester City, et une pour Leicester. Après le grand goal, Leicester, c'est Jamie Vardy qui était marqué le bouillon. Et puis Manchester City, c'était Raheem Sterling, Sergio Kunagero pour un doublé. On connaît pas l'autre rapidement. Il mettait dans l'espace de réparation. Qui est-ce qui a joué là? Coup de tête raté de Ndidi. Ballon dégagé par Emric Laporte. Il a gagné la bonne défense avec Harry Maguire qui était mis en avant. Mais ballon qui sortit en touche, touche pour l'avance Citizen. Jessica t'a signalé tout à l'heure. Et Claude Poel qui a préparé, à ce qu'il paraît là, pour faire deux changements. D'ailleurs, il fait un premier changement match là déjà. Il fait sortir Adrien Silva pour rentrer avec Simpson. Donc, c'est Ariel Marez et puis Anacho qui est ancien joueur Chelsea qui a préparé là pour ta rentrée. Pour aller dans la place qui est probablement c'est. 215 ans qui a fait les frais, on a parlé bien sûr du défenseur Harry Maguire qui a évolué dans la défense centrale équipe Manchester. Alors équipe Leicester City, Paris pour rentrer dans place le 233 de la formation Leicester. On a parlé bien sûr de Diabaté. Diabaté qui c'est un Malien qui a 22 ans qui a évolué sous côté gauche équipe Leicester City qui a sorti pour Riyad Mahrez pour rentrer dans le match. Puis Iheanacho qui pral faire rentrer le tour et à ce qu'il paraît dans le match ça. On a rappelé le match là 3-1, 3 pour Manchester City avec un doublé notamment de Sergio Kunagero puis Raheem Sterling. Iheanacho rentré et dans la place. Nous prenons le web qui est-ce qui sortit exactement dans la place. Iheanacho pour rapidement.
Donc c'est pour le yo ballon. Nous pour regarder Lil Wash qui est ce qui sorti de 108 de la formation Gundogan, mais c'est pour City. Yo ballon qui joue avec Ederson Moraes. Ederson Moraes qui bon qui prend le temps. Et arbitre, alors il jouait sous Nicolas Otamendi. Nicolas Otamendi pral jouer avec Kyle Walker qui jouait en avant pour Ilkay Gundogan. Alors Kevin De Bruyne qui a rentré dans l'axe, il jouait en retrait pour Nicolas Otamendi. Otamendi qui jouait encore et Kyle Walker. Qui jouait en retrait encore une fois avec Nicolas Otamendi. Monsieur yo campé dans quand yo là c'est Emric Laporte qui gagne ballon. Emric jouait avec Raheem Sterling qui était joué il Kai Gundogan Zinchenko qui retourne en retrait dans axe défense là avec Nicolas Otamendi jouait Kyle Walker li ka jouer dans axe terrain li ka jouer en défense tout li retourne en retrait sur Nicolas Otamendi. Est-ce que c'est passé? Si tu n'es pas capable, nous pourrons essayer ouais si comment évolution match là. Là c'est Zinchenko qui est rentré dans l'axe de notre terrain. Là c'est Emric Laporte qui jouait en retrait sur Ederson Moraes. Zinchenko qui changeait pour Kyle Walker qui jouait en avant. Belle réception avec le 220, c'était Bernardo Silva. Là, c'est Fernandinho qui changeait jouet. Là, il a cherché Raheem Sterling, pressuré par Riyad Mahrez. Non, c'était Simpson qui était sous lui. Raheem Sterling l'a passé quand même. Trois joueurs équipe Leicester sous lui. Il fait pas ça pour Ilkay Gundogan quand même. Sergio Kunagero qui était prêt, pressé, lui tirer quand même. Mais ça n'a pas marché. 64e minute, 3 pour Leicester. Danilo a préparé pour rentrer dans le match. C'est Zinchenko qui a sorti. Yo changement vraiment poste pour poste. Zinchenko jeune et défenseur ça qui est seulement 21 ans ukrainien qui a sorti pour quitter place pour Danilo. Danilo le 103, c'est premier changement équipe Manchester City. Nous t'appelons dire Anacho rentrer dans le match là en place Alan Chiwell, alors Benjamin Chiwell qui tape évolué avec le 203. Il relance avec Ska et Kasper Schmeichel, la tête de Danilo qui rapidement rentre dans le match. Justement, c'est Fernandinho qui était à terre. Fernandinho qui rapidement est enlevé. 64e minute. 3 pour l'équipe Manchester City. 1 pour Leicester. Ou sous télévision Pacific Channel 54. Pour porter retransmission ça pour la relance avec Ederson Moraes. C'est pour Danilo Pérez. Alors c'est Kyle Walker sous côté ça. Kyle Walker qui dribble pour jouer avec Fernandinho. Ballon qui contre, qui sortit en touche. Touche profitable avec l'équipe Manchester City. Touche qui pourra le faire rapidement avec Kyle Walker. Claude Puel qui pas qu'à comprendre ça qui a passé. Lui a mené au score à l'extérieur. Il y a un ballon avec Harry Maguire. Maguire qui font mauvais passe. C'est Fernandinho qui te gagne ballon. Te joue Raheem Sterling, te joue Kevin t'a tenté et alerté au monde de coup Gundogan pas vraiment fait rien sur action. Ça n'a pas gardé Kevin De Bruyne, le 217 de la formation citizienne Danilo Pereira. C'est lui qui parle effectuer faute. Alors touche ça pour équipe Manchester City. Citizen a préparé Sergio Kunagero qui recevoir et touche ça. Lui retiré sous pression. Et au monde de coup Ndidi Wilfried. Sergio qui était séché sous action ça par Wilfried Ndidi. Sergio Kunagero l'Argentin, c'est lui qui était à terre. C'est double buteur match là tout qui te permet à l'équipe Manchester City mener 3-1 dans match là. Ndidi Wilfried, c'est un Nigérien de 21 ans qui a évolué dans l'équipe Manchester City. Sergio qui, à ce qu'il paraît, prend beaucoup dans mais ça qui permet que l'IA peut vraiment grimacer sous terre, sous pelouse là. C'est action goal Sergio Kunagero. Là c'est troisième goal tout à l'heure. C'est troisième goal match là, mais c'était deuxième goal Sergio Kunagero. Sergio qui quitte terrain pour là prend soin nécessaire, mais c'est pour aller au coup franc pour équipe Manchester City avec
Kevin De Bruyne qui a préparé pour le beauté coup franc ça l'attend signal arbitre coup franc beauté la tête de Wilfried Ndidi qui sortit encore une fois en touche Riyad Mahrez 2-2 pour équipe. Mais alors Leicester City c'est pral une nouvelle touche qui pral effectuer rapidement par Danilo Pereira. Danilo qui a préparé le pool effectuer touche ça pour équipe Manchester City. Danilo qui était rentré dans place Zinchenko qui quand même t'a fait un bon match pour équipe Manchester City. Yo ballon avec Gundogan qui contrôlait l'a quitté pour Nicolas Otamendi. Alors c'était Ika Gundogan Kyle Walker qui gagne ballon qui joue en retrait c'est Kounia Nicolas Otamendi gagne ballon il joue en avant avec Ilkay Gundogan qui font petite passe pour Kyle Walker joue en retrait encore une fois avec Otamendi Emric Laporte joue Raheem Sterling qui joue là pour Kevin De Bruyne ballon perdu c'est Riyad Mahrez qui gagne ballon pour équipe Leicester City lui joue dans l'axe là c'est Jamie Vardy pour équipe Leicester City là sous côté ça c'est à Doué Yo Montaku et Mathieu belle réception avec Danilo te joué la porte li joue li dribble Montaku Riyad Mahrez Fernandinho qui gagne ballon pour équipe Manchester City la mauvaise passe ballon avec joueur équipe Leicester City il était ca possibilité d'attaque pour équipe Leicester City, mais la bonne récupération avec Kevin De Bruyne, ballon, toujours avec Citizen Sio, c'est Ilkay Gundogan, ballon qu'on a avec Kyle Walker pour équipe Manchester City, Kyle Walker qui peut jouer, Yomona Tokou, et alors Bernardo Silva, c'est ça le t'es fait, Bernardo Silva, Kyle Walker, Bernardo qui gagne ballon encore, Bernardo qui n'était web. Plus ou moins dans la première mi-temps, mais dans la deuxième mi-temps, on bat vraiment ouais. Et comment Bernardo a évolué sous côté ça. Kyle Walker joue Bernardo qui retourne pour Kyle Walker. Là, c'est Sergio Kunagero, Argentin, qui joue Ilkay Gundogan dans mi-temps terrain. Ilkay Gundogan qui retourne sous Danilo, monsieur Kembe Ballon. Là, c'est Kevin De Bruyne, Danilo qui gagne ballon pour équipe Manchester City. Emric Laporte qui joue en avant. Kyle Walker, Bernardo Silva qui a monté. Bernardo, nous mettons deux défenseurs équipe. Alors, Leicester City qui t'est tiré quand même, mais Tirlio qui t'est passé largement à côté. N'a pas regardé l'action. Hein? Bernardo qui t'est pressuré par Maguire, qui t'est pressuré tout par Christian Fouch pour équipe Manchester City. 70e minute, 3 pour équipe Manchester City, 2 pour équipe Leicester City. Yon ballon avec Wilfried, alors 1 pour équipe Leicester City. Yon ballon Ilkay Gundogan qui fauché par Wilfried Ndidi qui est sanctionné par yon carton jaune par arbitre Mike. Et n'a pas regardé action, Ilkay Gundogan qui fauché par Ndidi Wilfried. Une fille qui est copée de premier carton jaune match là depuis 70 minutes quand et match n'a pas vraiment gagné carton quand même c'est pas un match qui était trop tendu et c'est pral yon coup franc pour équipe Manchester City qui pral boté par Kevin De Bruyne la tête de Maguire ballon Riyad Mahrez encore une fois récupéré par les Citizens avec Fernandinho sous côté ça qui pressuré par deux joueurs équipe Leicester City ballon qu'il y a pour équipe Manchester alors Leicester City c'était Riyad Mahrez qui était joué en retrait joueur Leicester City a été prolongé en avant là c'est Citizen Sio qui récupéré Danilo Pereira Raheem Sterling et Fernandinho qui retourne pour Danilo Pereira Emric Laporte dans mi-temps terrain qui joué pour Ilkay Gundogan là joué Sergio Kun Aguero là c'est Kyle Walker arrière latéral droit équipe. Mais Manchester City a joué Bernardo Silva. Là, c'est Argentin Sergio Kunagero qui joue rapidement pour Bernardo Silva, qui joue un petit grâce en retrait pour Kevin De Bruyne qui retourne pour arrière latéral. Là, on a parlé de Kyle Walker qui pressurait quand même, fait pas ça pour Bernardo Silva. Bernardo qui tellement gêné, obligé de jouer en retrait pour Emric Laporte. Laporte qui jouait sous côté gauche là avec Danilo. Danilo t'a joué.
Raheem Sterling, bon, quelque part au senti, équipe là, a pensé rester dans le le plus que possible. Oui, si tu vas aller voilà pour attaquer encore là, puisque il a mené 3 goals là. Mais quand là, même, c'est eux qui attaquent parce que. Il y avait essayé de faire possession de balle là, il y avait essayé de faire ça. C'est pour... réaction, c'est réellement ce qui est sous action ça. C'est réaction offensive où l'équipe Leicester City, lui-même l'a orchestré. Donc c'est le deuxième carton match là. C'est Ilkay Gundogan qui a subi faute premier carton. Hein. Mais c'est lui qui fait faute deuxième carton hein, sous Riyad Mahrez qui t'a essayé contre-attaquer pour l'équipe Leicester City. Hein. Riyad Mahrez qui est rentré dans deuxième mi-temps pour l'équipe. Alors pour Fox, Riyad Mahrez n'a pas gardé ses actions ça. Quand elle était séché par Ilkay Gundogan qui a évolué dans mi-temps terrain équipe Citizen avec Fernandinho, Kevin De Bruyne. Donc, 72e minute, Richard, 3 pour Manchester City, 1 pour l'équipe Leicester City. On a regardé Ederson Moraes, Richard, qui a préparé le pool tant de coups français pour l'équipe Leicester City. Effectivement, 3-1 pour l'équipe Manchester City qui a avancé vers une victoire dans le cadre 27e journée. Ça, une 27e journée. Et qui ouait également défaite de l'équipe d'Arsenal contre la formation de Tottenham Hotspur. But marqué par Harry Kane, qui est le meilleur buteur championnat. Ça. Et là, il y a l'équipe Manchester City qui lui-même a pas avancé vers une victoire. Et une défaite de l'équipe Leicester City. Un ballon qui balancé. Qui a les filets. C'est toujours 3-1 au départ. Alors, en faveur de l'équipe de Manchester City, voilà le ralenti. Il y a un coup franc qui n'a pas baillé grande chose. Et vraiment, et c'est pour aller en relance au 6 mètres pour la formation de Manchester City. Ça se joue sur la droite avec Kyle Walker. Walker qui lui-même a joué comme étant arrière latéral droit pour la formation de Manchester City. Ederson Moraes, Moraes qui joue dans l'axe en direction de Nicolas Otamendi. Nicolas Otamendi, la passe à ras de Nicolas en direction de Sergio Kun Aguero. Double buteur dans le match de football. C'est bien Raheem Sterling qui ouvre le score pour la formation de Manchester City. Jamie Vardy, très opportuniste. Après le jouer un goal égalisation pour l'équipe de Leicester. Et puis de l'autre golio, c'est bien Sergio Kun Aguero qui inscrit. Quel geste technique réalisé par Bernardo Silva. Il joue très bien la passe en retrait en direction de Kevin De Bruyne qui allait sous. Et Kyle Walker, la passe de Kyle Walker en direction de Bernardo Silva qui contrôle avec son pied gauche. La passe, ça se joue très bien entre et Bernardo Silva et Kyle Walker. Là, c'est à présent c'est Kevin De Bruyne qui joue sur et Bernardo Silva. Bernardo Silva, la passe en retrait sur Kevin De Bruyne. Petite possibilité pour ta faire centre, il conserve toujours. Et là, il gagne un marquage qui est assuré et par le dossier 11 CB Marc Albrighton, monsieur qui est à fait marquage là au dépend de Kevin De Bruyne. Marc Albrighton qui c'est alors acteur offensif équipe Leicester City, on parle vraiment well jodi hein, et après a orchestré de très belles actions offensives qui t'a permis Ederson Moraes en danger. Donc c'est depuis après goal Jamie Vardy hein, pour encore après rentrer Riyad Mahrez, pas vraiment well de grandes actions et offensives dangereuses côté équipe Leicester City. Effectivement, on a regardé Sergio Kun Aguero de dos, monsieur qui inscrit un doublé dans le match de football là, monsieur comment il est capable de jouer un hat-trick là et coup du chapeau hein, puisque s'il font green goal là c'est pour le troisième de manière consécutive à Mati la poitrine, la frappe instantanée mais et ballon qui capté par Kasper Schmeichel, monsieur qui fait relance là, c'est Yara et c'est bien et Iheanacho qui a à peine monté dans le match de football là, la passe en profondeur mais bonne sortie réalisée par le portier international brésilien. N'a pas de Ederson Moraes lui obligé sortir parce que Nicolas Otamendi c'est lui qui était sous dernière action offensive équipe Manchester City. S'il pas sorti, pas gagné aucune couverture qui a fait pour la défense équipe là. 77e minute de jeu, 3-1 et en faveur de l'équipe de Manchester City. Là il gagne avec en retrait en direction de Aymeric Laporte. Laporte qui joue sur le joueur argentin. On a parlé de Nicolas Otamendi, la passe en profondeur, mais le ballon qui est prêt à le finir dans le pied de Kasper Schmeichel. Cadeau, monsieur. Cadeau! Oh my God! Cadeau! Ou t'as parlé,
tout à l'heure de triplé, oui, de coup du chapeau et de bon, Sergio Kunagero et bien Slifel. Après, on bévu. Et un cadeau et de Kasper Schmeichel, 4 buts à 1 et pour l'équipe de Manchester City. C'est vraiment étonnant. Monsieur qui commence très bien, mais mal fini là, les joueurs. Mais quelque part, c'est pas lui, mais tout le monde. C'est placement. N'a pas joué avec une défense à toi. Trois défenseurs, t'as supposé devant Kasper Schmeichel. Non, mais attendez, mais ils ont passé comme ça là, en quelle défense, ça vraiment. Non, mais lui, c'est pas ça pour défenseur. Défenseur n'est pas là. C'est une discipline dans la défense là qui cause, bien vu ça qu'il fait. Également, vivacité de Sergio Kunagero. Et dès lors, 4 goals à 1 pour l'équipe de Manchester City et 48 et 4 à 1. Bon, quand même, Manchester City qui était à peu chercher une victoire là, parce que le dernier match était sur un match nul à l'extérieur quand Burnley 1-1. Donc, il prend pratiquement la 77e minute, renoué avec la victoire et pour prendre une quantité de points sous Dauphin qui c'est Manchester United. Effectivement. Les deux équipes de ville de Manchester, c'est eux-mêmes qui a mené et mais loin devant pour Manchester City. C'est quoi le coup franc? On a regardé Kasper Schmeichel. Et en fin match, on a regardé monsieur très suspect. Et parce que monsieur vraiment bah, un cadeau. Non, et fin match, là, on a regardé Claude Puel. Le français, monsieur qui vraiment pas comprendre ça qui passe, qui plie. Et la passe en direction de Riyad Mahrez, mais ballon qui sortit en touche. La touche est citizen. Rentrée de touche qui pral exécuté par Danilo. On a regardé triple buteur. Et dans le match football pour l'équipe citizen, la pral gagne un changement. Il y a un jeune qui pral faire entrer là, 1247. Et pour l'équipe de Manchester City, Manchester, Leicester. Phil Foden, c'est un jeune joueur de 17 ans, jeune anglais, qui est formé à Manchester City, qui va le faire rentrer là, probablement. C'est le premier match li, que le bras joué avec Citizenio, qui rentrait dans la place Fernandinho. Fernandinho qui a évolué dans Sentinelle, devant défense là. C'est qui remplacé par un joueur Phil Foden qui c'est un anglais de 17 ans et Richard pour l'équipe Manchester City en son action là avec Sergio Kunagero pressé par Ndidi, mais t'es une faute sur action. Effectivement, Phil Foden qui entre dans le match de football là à la place de Fernandinho et qui a joué comme sentinelle devant défense là 80e minute de jeu. Phil Foden qui est tout qui récupérait de blessure. Phil Foden qui a une blessure et dans ligament et dans cheville qui jouait alors qui pral jouer là premier match li pour équipe. Et Manchester City, c'est pour aller au troisième changement, c'est le 240. Troisième et dernier changement. C'est un défenseur qui va rentrer dans le match pour l'équipe Manchester City. On a parlé de Nmecha. C'est un anglais, Lucas Nmecha. Et Guardiola a profité et roulé effectivement. Justement, il fait une belle rotation là. C'est trois nouveaux joueurs aujourd'hui qui jouent. C'est le cas de Zinchenko, et très jeune, 21 ans. Non, Zinchenko habitué à jouer pour City. Mais quand même, c'est nouveau dans l'effectif là pendant la saison. Ça. C'est un ballon avec Danilo Pereira qui fait un pass. C'est Riyad Mahrez qui t'a récupéré. Ndidi, le 125 pour la formation de Leicester City qui a un ballon avec Riyad Mahrez. Riyad Mahrez qui pressait par Raheem Sterling, ballon finalement sorti en touche. Touche, c'est pral pour l'équipe Manchester City. Hein. Nicolas Otamendi qui a évolué dans la défense centrale, l'équipe Manchester City. On a regardé le capitaine et l'équipe là. Compagnie Vincent, c'est lui qui était sous bonne touche là. Il y a un ballon avec Raheem Sterling. Raheem Sterling, le 207 pour de la formation citizen. Là, c'est Phil Foden, le 240 qui a un ballon. Nouveau venu, ballon intercepté. C'est McGarren qui a un ballon là pour équipe Leicester City. Il y a un ballon en profondeur qui pas marché, qui récupéré par Emric Laporte. Là, c'était le 217, équipe Citizen. Là, c'est Kevin De Bruyne qui quitte pour Emric Laporte. Il y a un ballon avec Ilkay Gundogan. Ilkay Gundogan qui jouait dans le mi-terrain encore une fois avec Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne et Lil Roche. C'est lui qui a un ballon là sous côté.
81e minute, Lille Walsh, 4 pour Manchester City, 1 pour équipe Leicester City qui est à l'extérieur. C'est ça, Jessica Jean. Jusqu'à présent, Manchester City qui est la Kylie, qui a joué un très bon match de football puisque la mené par 4 goals à 1. Il a joué dans la défense avec Nicolas Otamendi, la porte qui en discussion avec Jamie Vardy. Et la porte, en mettant titre de du venu, messieurs, et carton jaune pour la porte. Alors, pour tous les deux, Jamie Vardy pour Canton Vardini, et puis Émeric Laporte qui a joué dans la défense centrale équipe Manchester City en tout libre et Canton. Donc c'est oui, quatre cartons jaunes dans le match là. Et on a regardé côté Laporte, tu es en discussion avec Jamie Vardy qui est attaquant équipe Manchester City. Donc il y a trois cartons côté équipe Manchester City contre un carton. Côté, alors deux cartons des deux côtés. Deux cantons des deux côtés. C'est ça, Jessica Jean. Ou supposé suivre tout match football, toute les transmissions match football sur Télévision Pacifique, chaîne 54. Je dis à c'est 27e journée, championnat d'Angleterre qui est joué là. Yo gagne avec l'équipe Manchester City. Yo gagne rapidement avec Sergio Kunagewo qui a marqué un triplé le match football. Agewo qui joue rapidement. Danger pour la formation. Leicester. Yo gagne la bas défense avec Harry Maguire qui mettait nettement en avant. Est-ce que la sortie Will sort sans touche? Touche pour la formation season de football. Avec central là qui estime que Boula déjà qui délimite terrain entre touche pour la formation Leicester. Qui joue rapidement et touche à nouveau. On te touche qui va l'exécuter rapidement pour Yenacho qui va l'exécuter pour l'équipe Leicester. Il a gagné la contre la poitrine rapidement avec le nouveau venu. Fendo fin qui joue rapidement. Mais ballon perdu. Il a gagné rapidement avec Sergio Kunagewo. Agewo qui gagne toujours la passe d'Ago sur Ryan Sterling. Sterling qui joue rapidement sur le volant et la frappant. Franchement, Phil Foden, bah quoi? Phil Foden. Il est en position avancée. Oui. Casper Smachel, tout, qui t'a fait bonne garde. Mais c'est ça qu'elle fait, vraiment, en aucun cas, pas t'a empêché Casper Danois qui a veillé cage et l'équipe Leicester City. Casper qui fait de mauvaises relances et puis l'équipe Leicester qui prend deux goals sur action. Côté Kunagewo qui bénéficie toutes des mauvaises relances. Il a joué rapidement avec l'avance de Citizen de football. Il a gagné un ballon sur le côté droit avec Gundogan qui joue en retrait sur Kevin De Bruyne. De Bruyne qui mettait en retrait sous Émeric Laporte. Laporte qui gagne la gagne, Laporte toujours pour l'avance de Citizen. Laporte, ça la favelle, Laporte toujours. Il joue rapidement de l'axe du terrain avec De Bruyne. La passe en profondeur de De Bruyne. Côté la jeune Tancou et Bernardo Silva qui mettait lentement Bernardo toujours. Bernardo, ça la favelle, il mettait en retrait la frappe. Mais non, De Bruyne. Ça son dégagement De Bruyne fait là. Il y a un ballon qui passe nettement à côté. C'est pour aller au milieu de 5m50. Pour la formation Leicester de football. Ablié n'a joué 85e minute dans le match de football. Là. C'est toujours 4 pour l'équipe Manchester City. 1 pour l'équipe Leicester. Casper Smachel qui pourrait faire l'instant du pied droit. Pour la jeune qui est sans. Donc c'est après coup de tête de Gundogan, il a joué rapidement avec Vardy et qui mettait là sur le côté gauche avec Yenacho, qui Yenacho qui gagne toujours la passe de Yenacho, talonnade de Walker qui gagne là toujours pour la formation Leicester, mais ballon perdu. Abid Santala qui dit qu'il y a faute sur action, hein. C'est pour aller au coup franc pour la formation Leicester de football, hein. Toujours 4 pour Manchester City, 1 pour l'équipe Leicester, hein. Abid Central, là, qui n'a pas bien géré le match de football là, jusqu'à présent. Pas oublié, nous allons gagner 3 jours au carnaval national. Là, 11, 12, 13 février. C'est dans la Coupe au Prince, côté Radio-Télévision Pacifique, en direct, pour une transmission et carnaval là, national. Là. Nous allons essayer de là avec l'équipe Leicester. Et tout de suite après, c'est pas le Real Madrid à 2h45. Côté on est capable toujours porter le pour sous Télévision Pacifique avec Rochnel Basil, Zilil Wacha Mounalaise, Richard Bellevue, Jessica Jean, une belle étoile qui ensemble avec nous, dans le temps de rouler. Et va jouer rapidement avec l'équipe Manchester City. Il y a un ballon qui dégage Calfini dans le bras, équipe Casper Smachel. Casper Smachel qui dégage le ballon. Après sortir Otamendi, c'est Sergio Kunagewo qui est brassé, capitaine. Parce que on parle de jouer avec Vincent Kompany qui est capitaine emblématique équipe là. Donc c'est Sergio Kunagewo qui gagne à présent brasseur capitaine. Il y a un ballon avec Raheem Sterling qui a passé jouer. Alors Danilo qui
pas arriver jeune passe là c'est pour aller un ballon avec John Kevin De Bruyne qui t'a joué Ilkay Gundogan qui jouait en retraite pour Emric Laporte alors c'était John Stones qui t'a joué et yo mon tantou Carl Walker là c'est nous on a joué dans mi-temps terrain pour qu'il y a John Stones défenseur central équipe Manchester City avec Emric Laporte pour le moment Emric Laporte qui jouait Danilo latéral gauche équipe Manchester City qui t'a tenté passer mes ballons qui t'est couvert par le 216 de la formation de Leicester City. N'a parlé de Dragovic Magara, c'est lui qui gagne ballon là pour équipe Leicester City. Il joue sous côté gauche pour équipe Leicester City. Il y a ballon toujours avec Fox yo sous côté ça, c'est Fox qui gagne ballon là avec là à présent c'est Magara qui joue en avant pour Riyad Mahrez. Il pas qui est arrivé, belle couverture avec Danilo Pereira, le jeu pour Ederson Moraes qui a joué Emric Laporte. Emric qui te fait passer là pour Kevin De Bruyne, te rejoué Emric Laporte. Là, sa présence, c'est John Stones qui gagne ballon pour l'équipe Manchester City. C'est lui qui gagne ballon pour l'équipe Citizens. Là, et Emric, alors John Stones qui te joué. Kevin De Bruyne, Carl Walker qui retourne pour John Stones, qui joue en retrait pour Ederson Moraes. Ederson qui joue Emric Laporte, il a joué dans la défense là, il a fait passer le temps, il a déjà mené 4-1 la caillou, il a pas pour presser Carl Walker, joue Kevin De Bruyne sous pression, joueur équipe Leicester City, mais ballon qui était sorti en touche en faveur équipe Manchester City, c'est pour le 5e carton match là, c'est le 215 Harry Maguire, c'est lui qui prend le 5e carton jaune match là. On a regardé et le 215 qui a joué dans la défense équipe. Mais Leicester City qui en bas 4 goals. Il y a un ballon de défense centrale, équipe Manchester City avec Emric Laporte, le jeune Laporte qui joue sur Danilo. Danilo en retrait encore une fois sur Laporte. Laporte qui joue John Stones, 89e minute, 4 pour équipe Manchester City, 1 pour équipe Leicester City. Laporte qui joue en avant pour Sergio Kun Aguero pour Phil Foden qui a évolué là dans le terrain, qui a tenté passer, qui rentre dans la boîte là, qui bien géré par le 225, n'a pas le de Ndidi. Là, le tir de Sergio Kun Aguero pour un 4e but personnel. Et go! Cinquième but pour l'équipe Manchester City. Manchester City qui marque un cinquième but avec Sergio Kun Aguero. On a regardé l'action de Phil Foden qui te fait passe en retrait pour Aguero qui tirait sans contrôler. Aguero qui marque cinquième justement. Aguero qui va te faire un yen sous frappe de Kun Aguero. Vraiment, Aguero Jodia qui fait un très bon match. Il était marqué deuxième goal équipe là, troisième goal, quatrième goal, jusqu'à cinquième goal pour l'équipe Manchester City. Après tout est-il, c'est du homme vraiment lié. Il a pas célébré goal ça de Sergio Kun Aguero l'Argentin qui a évolué avec le 210. Il a bail 3 minutes de temps additionnel, 90 minutes il a déjà écoulé. Il a ballon avec Foxio. Là c'est dans défense centrale là que nous est Magara à présent qui gagne ballon. Là peut jouer en avant pour et un joueur qui plus ou moins débarqué, la prend du feu, la prend du champ. Riyad Mahrez à présent, c'est lui qui gagne ballon pour Foxio. Il passe Danilo, il a rentré dans la boîte là quand même. Est-ce qu'il a fait réduction du score là? Non, ballon était tiré quand même. Il Kay Gundogan repousser ballon. Ballon avec, pour le moment, c'est avec Ndidi. Ndidi qui centre pour Jamie Vardy, qui rapidement fait tête là, mais tête qui était à Green, Ederson Moraes, le 231 qui s'est gardien, équipe Manchester City, c'est prêt à une relance avec Ederson Moraes, qui a pris déjà que c'est quand même la caillou, il n'y a pour courir, il n'y a pour presser, il relance rapidement du pied gauche avec Ederson Moraes, qui n'a pas de monde pour récupérer, ballon qui sortit en touche. Tous ces prêts en faveur et Foxio, en faveur équipe Leicester City, conversation. Non, bonne touche équipe Manchester City, montre-nous à Guéro. Et
on touche effectivement rapidement Ndidi pour réception. Ce n'est pas le cas. C'est Kounia Ndidi qui est loin. L'a tenté alerté au monde de et Jamie Vardy qui pat sous le coup. C'est Bralion, ballon avec Ederson Moraes. Ederson qui c'est gardien brésilien qui a seulement 24 ans, qui a évolué sous cage équipe Manchester City. Il prend seulement un goal dans le match là, alors que Citizens a marqué 5. Il relance avec Ederson Moraes, Sergio Kunagero, celui qui recevoir ballon. Il joue en retrait sur Kevin De Bruyne. Là, c'est Danilo Pereira qui rentre dans l'axe, mais il fait une mauvaise passe. C'est pour jouer équipe Leicester City. La relance de Casper, c'est Citizens qui recevoir ballon. Ça, un ballon là avec Danilo. Danilo qui fait passe pour Phil Foden qui quitte pour Sergio Kunagero, ballon perdu. Riyad Mahrez gagne la présence. Riyad Mahrez li fauché sous action. Qui te fauché par Sergio Kunagero, le 126 c'est Riyad Mahrez. 2 minutes déjà écoulées pratiquement. C'est la dernière seconde. Justement, c'est fin. Match là, 5 pour City, 1 pour l'équipe Leicester City. Raheem Sterling qui a marqué premier goal, équipe Manchester City. 4 goals qui ont marqué par Sergio Kunagero. Jamie Vardy qui a marqué green goal, équipe Leicester City. Toute équipe là, te prend pile plaisir pour porter match ça pour Jessica Jean, Lil Walsh et Richard Bellevue.